température un peu humaine. Et montez ici rapidement là. Ça va le terrain, niveau santé tout ça? Ouais, ça va, le terrain il est bien, le temps il est bon, donc il y a un peu de soleil qui va peut-être gêner, mais sinon ça va, on est dans des bonnes conditions, tout est réuni pour qu'on puisse faire un gros match, toute l'équipe. Faut se rattraper sur le... par rapport au match dernier. Ouais. Après je pense que le match dernier, ça a pu... on a pu prendre en maturité grâce au match, on a fait des erreurs, on sait qu'on a fait des erreurs, donc je pense qu'aujourd'hui on va mettre en place les erreurs qu'on a fait la semaine dernière pour pouvoir être performant en championnat, donc c'est le but. Ce serait pas le capitaine du jour? Mais oui, bien sûr, capitaine aujourd'hui. Déter, motivé. Je vais tous les insulter un par un. Dans mon équipe, hein, bien sûr. Ça commence bien, je mets le sale à l'envers. Y'a pas l'habitude. Oui, j'ai de tout faire ici. J'ai raté beaucoup de choses, mais on a raté, frérot. Mais dans l'intention, tu vois, quand t'es lié, que tu fais des appels sur les côtés, que tu vois, et que c'est grave frustrant, tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, ça, t'es pas le seul, Nathan. Mais je sais que je suis pas le seul. T'es pas le seul, Nathan. C'est pour ça que je parle pour tout le monde aussi. Ah bah, je parle pour tout le monde. Là, je parle de toi parce que j'ai l'exemple que t'as fait tout à l'heure, hein, mais je peux en donner plein d'autres exemples sur tout le monde. T'as totalement raison, je sais que des fois j'étais trop. Alex, ça fait 8 heures, il regarde Ibou, puis saute depuis tout à l'heure sur le côté, il lui dit pas. Et Ibou, il est là, il est encore sur la touche là-bas. Il compte les pâquerettes sur le côté là. J'ai l'impression que des fois, quand on est en temps faible, comme il a dit Ayman, on veut se rassurer en jouant dans la défense. Mais ils sont tellement hauts et le terrain est tellement petit, les défenseurs ils ont pas non plus beaucoup de temps et je trouve qu'on se rassure pas tant que ça. On a du mal. On arrive à sortir de la défense, on repart dans la défense. Venez, on balance des. Venez, on joue plus vers l'avant, venez, des appels sur les côtés. Là, je trouve qu'on s'est mis dans des situations compliquées à deux doigts. On était prêt à se prendre un but de merde et on sait qu'à chaque fois qu'on se prend les buts,
la plupart, 50% des buts qu'on prend, c'est nous qui créons l'action pour l'adversaire. Et on oublie, on gagne. Hein. On gagne 1-0. On gagne 1-0, on fait la gueule, c'est qu'on n'est pas bon. Ouais, mais c'est qu'on se met vraiment en danger pour rien. Ouais, au lieu de faire des jouets simples, on peut pas jouer simple, c'est ça qui me rend. Il y a des pas simples, on peut donner, mais non, on va essayer de chercher autre part. Du n'importe quoi, on reste pas concentré. Ouais, j'ai des actions bêtes, on perd le ballon, ça, on va dire des choses, je crois aussi. Alors, cette première mi-temps compliqué, hein. Heureusement, on est solide défensivement un peu. On se fait un peu peur. C'est ça qui me rend un peu fou. Mais franchement, là, on a les occasions de mettre 3-4 déroulés. Franchement, après on est serein jusqu'à la fin du match, mais là on se met en danger pour rien du tout. Direct les gars, direct, direct. Laisse pas. Bonjour, bienvenue sous ce temps pluvieux au match à l'extérieur contre Meurucourt, si je ne me trompe pas. Meurucourt. Apparemment une bonne opposition, donc à nous de faire le travail et de ramener les 3 points aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, 31 octobre, on va affronter Meurucourt. Déjà, très beau complexe sportif, ça fait très plaisir. Parce que tu as déjà un petit peu filmé, mais le terrain est très propre. Le complexe est super cool. Match super important, forcément, c'est le troisième match. Voilà, on a fait victoire nulle. Ce serait bien d'aller chercher cette victoire. On a largement capacité. Après, voilà, petit point à noter quand même, on n'est pas totalement complet. On a même un joueur sur le banc en moins. Parce qu'on sera 13 en tout et pas 14. Voilà, Ibra était pas dispo, donc voilà, il faut quand même gérer les efforts. En plus, sur le banc, il y a quand même Lucas qui est quand même à la base gardien et qui jouera genre de champ pour aider. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment, vu qu'on n'a pas 3 millions de possibilités sur le banc, vite marquer quoi, parce que si ça dure, ça peut être compliqué.
C'est sûr parce que tu sens qu'il va y avoir des pénalties ou... Toujours, toujours trois petits pénalties avant le match, c'est au cas où. Oh, c'est marrant. Tout ça pour qu'au moment de tirer le penalty, il y a Imen qui vient te dire. ça glisse. Donc, n'hésitez pas à tirer de loin et suivez toutes les frappes. Les prises de balles des deux côtés aujourd'hui, elles vont être compliquées. Les gars, suivez toutes les frappes. Les gars, au maximum au sol. Hein. Au maximum au sol, là, il y a du vent. Caserie, tentez les gars. Tentez pour de vrai. En ce moment, on se désolidarise de ouf. Raïm, ouais. On se rend pas compte que. Il y a plein de gens, ils rêveraient d'être à notre place. Hein. Ça veut dire si on se tue pas à la fin de l'année, on carabe dans mon tège. Ça veut dire voilà, faut être solidaire. Aujourd'hui, on s'encourage tous. À bout. Désolé la semaine dernière et tout si on t'a vu. Tu vois, aujourd'hui, faut tous se solidariser. Faut qu'on soit une équipe. Parce que si on montre qu'on a des faiblesses, eux, ça va rentrer dans leur tête. Ils vont dire c'est bon, ils sont sortis de leur match, ils vont jouer sur ça. Du coup là y'a personne devant.
Bien gardé. Elle peut être la pression. Ouais. C'est bien les gars. Voilà, voilà. Restez debout. Oh les gars. Allez, t'as plus de roue. Seul, Paul, rentre. Paul, regarde. Allez. Dès qu'il touche le ballon, anticipe sa course. Dès qu'il pousse le ballon, tu passes devant lui. Et défendez debout, putain, arrêtez de tacler les mecs. J'ai levé deux fois. Oh putain, combativité, ça veut dire quoi? Dès qu'il touche la balle, on est à 3 mètres derrière eux. Dès que vous touchez la balle, ils sont sur votre cul. Vous ratez tous vos contrôles et vos passes. Vous savez ce que c'est ça? C'est quand vous êtes 6 à l'entraînement. C'est là qu'on paye. Faites les mecs au-dessus de la D5, là, vous êtes mignons, hein. On n'est pas au-dessus de la D5 en ce moment, je vous le dis clairement. Arrêtez de défendre en zone, on ne sait pas faire. Parce qu'en fait, vous êtes à chaque fois entre deux joueurs. Vous faites tourner au milieu. Donc prenez-moi un joueur et vous ne le lâchez pas. On va faire comme je dis. Vous prenez votre joueur et vous ne le lâchez pas. Mais à toi de la retirer les gars, il faut la demander s'il y a. Parce que ça part de là, c'est pour ça qu'on avait Titi, pas relancé. Titi, il est trop bas déjà. Titi, il est trop bas. C'est là où il faut Titi. La demander. Titi, reste pas à côté de moi. Reste devant moi. Parce que il faut là, la demander. Ouais, d'accord, mais vous me dites, prenez le 10, le 10 est sur vous les gars. Dans ces cas-là, moi, vous me dites pas, prenez pas le 10. Offensivement. En coulisses. Bah, qui a pris du plaisir pendant un premier temps? Personne. On n'a pas joué au football, les gars. Oh!
qu'il fout là, mec. Allez, c'est quoi ça? C'est quoi Et moi je pense que vous savez d'où ça vient. Venez à l'entraînement. Venez à l'entraînement. Et dites à vos potes de venir à l'entraînement.